Salut les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Donc une petite astuce, vous aurez pu voir dans la bannière et le nom, c'est comment avoir Magikarp Shiny. J'ai pu en avoir un puis le faire évoluer en Léviator, donc Magikarp Shiny et Léviator. On va aller voir ça tout de suite. J'ai eu de la chance, j'ai pu capturer un deuxième Magikarp. Au début j'en ai eu qu'un, j'ai pas réussi à montrer comment on le pêche. Donc c'est tout simple, vous allez attendre la pêche. Faire oh, un point d'exclamation, on va l'avoir une fois, deux fois et trois fois. Quand il aura ces trois choses comme ça, vous pourrez le capturer ensuite. Vous verrez, hop, vous aurez une petite animation et Magikarp Shiny va apparaître. C'est un Magikarp d'exception. Oh, mais que vois-je? Je suis sûr d'une chose, il va battre tous les records. Bah, ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est cliquer plusieurs fois sur le Pokémon pour casser la pyrostase sur Magikarp. Regardez, on va cliquer pendant un petit moment et hop, la pyrostase s'est brisée. Donc, grâce à ça, on pourra le faire évoluer. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est monter le Magikarp jusqu'au niveau 19 et le faire monter encore un niveau jusqu'au niveau 20. Donc là, j'ai fait un événement, gros ballon, excellent. 13 600 d'XP, hop, on arrive là. Tac, il sort son XP, hop, il monte de niveau. Tiens, Magikarp a l'air bizarre. Ensuite, on va voir une petite animation que Magikarp il va bien évoluer. Hop, on a une petite animation, ça dure un petit coup. Hop, il évolue en Léviator Shiny. Notre Léviator rouge qu'elle a, le fameux Léviator qu'on a envie. Donc après, il va se passer une petite scène. Donc, oh, Magikarp. Voilà, il a évolué, le dresseur il est choqué. On peut partager bien sûr les réseaux sociaux pour montrer qu'on a eu Magikarp. Ensuite, il va se passer comme les autres. Autre chose, quand Magikarp part à la retraite, Léviator ça sera la même chose. Magikarp, score final. Vraiment, ça devrait être écrit Léviator. Là, c'est le nom qu'on a donné surnom au Pokémon. Génération niveau 20, 57 kilos. Il a fait événement, etc. Ensuite, le maire va venir nous parler avec une génération. Mais qu'est-ce que. Oh là là, Magikarp a évolué en Léviator. Normalement, je devrais te féliciter, mais tu peux imaginer qu'un Léviator ne peut pas concourir dans une ligue pour Magikarp, évidemment. Ben, ça te fera une histoire à raconter. Vous gagnez 28 points d'expérience. Donc, on gagne beaucoup plus de points d'expérience en succès. Un événement fait une fois. Laisse-moi ce Léviator, je m'occupe de lui. Tu vas pêcher ton prochain Magikarp. Après, en principe, vous allez pêcher. Donc là, on va aller sur les événements. Enfin, d'abord, les motifs. Comme vous pouvez voir, c'est pas celui de droite, le numéro 2, mais ça sera dans 99. Le motif, donc on va descendre. Ok, vous cliquez dessus et le doré. Voilà. Puis ensuite, Léviator. Oh non, Magikarp se transforme en Léviator. Bye Léviator. La vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. J'espère mettre un pouce bleu, vous êtes content de cette petite astuce que j'ai faite. Le truc qui est un peu dommage que j'ai trouvé, c'est qu'en ayant ce Léviator Shiny, enfin le Léviator rouge, je pensais qu'il y aurait un événement qu'on peut faire avec lui. Donc, genre événement, on peut se prendre un objet toutes les heures, ou avoir plus d'expérience avec lui. Mais non, en fait, ce Léviator, il va partir. Donc, vous aurez juste l'événement Léviator, ça ne met pas Léviator rouge, mais ça vous montrera Léviator bleu. Oh non, Magikarp évolue en Léviator, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez réussi à avoir Magikarp Shiny et le faire évoluer en Léviator rouge. Comme ça, je peux voir quelles autres personnes ont eu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres astuces comme ça, du genre si je trouve une astuce à comment faire certains événements spéciaux, d'autres choses comme ça, et je pourrais essayer de le faire si vous me demandez dans les commentaires. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, ça serait important, comme ça je vois que vous aimez les choses que je fais. Bien sûr, pas que du Pokémon sur ma chaîne, il n'y a pas que du Magikarp Jump, etc. Donc je fais un peu de tout. Donc si vous êtes intéressé par ce qu'est Pokémon, je fais de temps en temps du Pokémon, donc ça peut vous intéresser sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc merci à tous, c'était B-Box, et on se dit à bientôt, Avio.